Salut les cadavres, oui le micro est ouvert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un tout nouveau genre en tout cas sur ma chaîne, je joue beaucoup en ARAM, qui est un mode de jeu un petit peu particulier, où je dirais que les compétences personnelles, le skill, l'investissement, le sens tactique, n'ont à peu près aucune valeur, et tout ce qui compte c'est le tirage aléatoire de la Champion Select. On a du bol, on n'en a pas. Alors parfois ça donne lieu à des parties très frustrantes. Il y a des champions qui sont absolument pas dimensionnés pour faire de la RAM. Alors soit ils sont hyper nuls, soit ils sont hyper puissants parce que la RAM c'est un couloir. Et des champions comme Maokai par exemple, qui ont un ulti qui traverse la map en immobilisant tout le monde, bon ben en RAM c'est très fort. À titre d'exemple, hein. Moralité, je vais faire des sessions de 3 ARAM consécutives et en fait je vais essayer, pour voir si ma connaissance du jeu est à moitié aussi bonne que je le crois, de prévoir avant chaque partie le résultat fonction de la sélection des champions. Voilà, fonction de la draft, je pense qu'on peut prédire à l'avance si on perd et si on gagne. Avec toutefois une exception notable, Garen. Je ne ferai pas de partie contre Garen, puisque, à mon humble avis, en ARAM, Garen est le champion le plus pété qui existe. Alors, oui, entre les mains de quelqu'un qui sait le jouer, hein, mais sa régène, son Q-spell qui le libère des entraves, le fait qu'il fasse des dégâts de zone, son ulti qui balance des dégâts bruts, sa capacité de régène, il craint rien le mec. Le mec ne craint absolument rien. Il vient se balader sous ta tour, il te colle son ulti dans les dents, il s'en va, et puis il va régénérer dans un buisson, il est full vie en 5 secondes. Donc les parties où il y a Garen dans la draft adverse, vous les verrez pas. Je les passerai à l'as, et je passerai à la partie suivante. Et je vais faire un ratio de est-ce que j'ai deviné que j'allais gagner ou perdre, ou pas. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des méthodes de calcul lié au nombre de tanks en face, au nombre de tanks dans notre équipe, au nombre d'AP carry distance, parce que il y a des Xerath, des Vel'Koz, des Brand, franchement, ça fait le café, alors que tous les champions un petit peu corps à corps, même des trains d'amer, bah, il faut qu'ils viennent se mouiller, venir se mouiller quand l'équipe en face est composée d'une DCA... de Fiddlestick, Karma, Jace qui balance des boulettes à 4 km de loin, c'est pas évident. Première partie, on y va en direct, avec un compte spécialement taillé pour faire de la RAM. C'est un de mes smurfs où il y a tous les persos que j'aime jouer en ARAM, pour éviter au maximum de tomber sur les persos que je ne sais pas jouer tout simplement. Je vais allumer les enceintes parce que c'est toujours mieux d'avoir un peu de son. En essayant que le micro les capte pas, ça devrait le faire. Et bien évidemment, passer les 127 phases où des mecs lancent les ARAM mais sont pas devant leur écran pour cliquer sur le bouton accepter. Alors, Miss Fortune, c'est bien. Miss Fortune, faut être honnête, c'est extrêmement bien. Il se trouve qu'en ARAM, j'adore la jouer AP, parce que ça surprend toujours. Mais là, clairement, le Malphite va certainement partir AP. Il y a un Xerath qui va faire de la paix. On va dire que je vais miser sur une Miss Fortune classique AD et dans cette optique là il va me falloir évidemment de la mana, le ruban est juste incontournable et j'hésite entre la transcendance et la célérité. On va dire transcendance. Évidemment la clarté, puisque en ARAM on crache
ses compétences à tout va dès le début, et on se retrouve assez vite low mana. Moi franchement, clarté, il y a peu de personnages qui partent pas avec. Je vais évidemment chausser mes lunettes, qui méritent un petit coup de chiffon d'ailleurs, pour protéger mes petits œils, parce qu'il y aura des questions que je les perde. Voyons voir ce qu'on a en face. Gragas Twitch Rengar Malzar Z. Alors, Rengar, c'est n'importe quoi en arabe, parce qu'il passe sa vie dans les buissons, à jaillir en faisant des auto-attaques qui mettent les gens mi-vie. C'est pas évident quand il n'y a pas du contrôle en face, on verra. Disons que, en tant que Miss Fortune, c'est clair que c'est moi qui serai ciblé. Malzar me fait pas peur. Le Z peut me faire peur, mais on va dire que pour qu'il vienne me chercher, il faut quand même qu'il franchisse Riven, Malphite et Karim. C'est pas évident. Il va falloir que je joue bien mon positionnement. Et bien pour une première partie, c'est pas évident. Je dirais qu'on va gagner. Je dirais qu'on va gagner parce que on a deux tanks. On a une Riven qui peut être impressionnante. On a le Xerath qui allume de très loin. Et c'est un peu ce qui manque à l'équipe adverse en fait. Ils n'ont pas grand chose qui allume de très très loin. Et oui, je vais rester à des. Nous voilà partis. On va partir sur du classique. BF de Bossion. On a confiance. Bon, voyons voir. On a arrosé pas mal. Ah mais bon, il a fini. Ah oui, c'est l'Ignite. C'est sûrement l'Ignite. C'est sûrement l'Ignite qui a fini par l'avoir. J'ai pas été très smart sur mon move à titre personnel. J'ai un peu perdu de vue la souris, mon positionnement, tout ce genre de petits détails. On va essayer de mettre leurs damage dealers en position un petit peu de faiblesse. Détail très important quand vous jouez en arabe, c'est le full mute all. Les gens n'ont rien à vous dire qui puisse vous intéresser en arabe. Rien du tout. Je me suis pris le silence. Le Rengar va aller vivre dans le buisson, évidemment. Normalement. Je vais essayer de monter un petit peu le boulet. Je pense qu'il y a des chouettes tirs à faire au boulet. Un peu comme celui-là. Je vais juste rendre de la mana à l'Ekarim qui en a beaucoup dépensé. Moi, je devrais mourir dans pas longtemps. En arabe, quand même, les balles perdues, c'est assez courant. À peu près n'importe quoi est fichu de me tuer. Même une boule de neige est fichu de me tuer. Et alors, le Rengar, j'en parle même pas.
Un petit ulti latéral qui va bien. Était plutôt pas mal ça. Je suis content que le Rengar n'ait pas méchamment achevé. C'est moi qui suis censé dépêche le plus. Du coup, il faut que je trouve. Ah non, non, là, je pourrais pas. Pas de vitesse, je pourrais pas faire grand chose. La roue spectrale est pas génialissime pour moi. Puisqu'en fait, quand je lance mon ulti, j'en ai un peu rien à foutre de gagner en vitesse d'attaque. Je suis coincé dans mon ulti. Pour H, c'est assez sympa. Franchement, pour Vayne aussi. Pour Miss Fortune, ça le fait pas. Bon, la Riven se croit immortelle, ça va être un petit peu embêtant ça. Ah, j'aurais la tour, j'aurais dû m'évacuer plus vers le nord, je suis trop con. Pas vers le nord, vers le haut. C'est pas la partie de l'année, hein. Pour une première partie en direct, c'est pas la partie de l'année. Mais bon, c'est pas grave. Il va falloir que je sois plus appliqué, ça c'est sûr. Commence à faire mal et je suis une bonne cible pour lui. Saute-moi dessus. Et oui, ton ulti me neutralise, mais pas assez longtemps. Ou du moins, tu l'as lancé un petit peu trop tard. Ma foi, pas trop mal. C'est un peu ce que j'avais prévu, ça. En fait, Malphite plus l'ulti d'Ekari. Un petit peu compliqué à combattre. Vite en speed. On va mettre la Z évidemment. Rions ensemble. Ouais, ça va encore. C'est pas des dégâts aussi. Aussi incroyable que je l'imagine. Et je me demande si je vais pas partir sur de l'armure à la fin. Juste histoire d'être sûr de pouvoir lutter un petit peu longtemps et pas que le Z m'élimine dès le début du fight. T'es parti. On va faire le ménage. Hop, et on va essayer de rattraper nos amis qui sont partis en chasse.
Un peu comme ça. Il les occupe, voire même il les tue. C'est pas gravissime. Ça nous assure, d'ailleurs, je regardais à l'instant l'armure. Vu leur point de vie, je ne serais pas resté non plus. Oui, même pas l'heure du. La partie va se terminer vite en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours pas les buffs. Oh, toi t'es. T'es à croquer toi, 100 points de vie. 100 points de vie, ils ont à peine tapé notre tour. Ça se passe rigoureusement comme je l'avais prévu. Le ringard joue pas assez buisson. Il se trimballe tout le temps en lane. Je sais pas si il va marcher de bait les enfants là. Il y a du monde derrière, il faut qu'on ramène des minions. J'ai un ulti qu'il faudra bien placer. Il faudrait que le Malzar lâche son ulti pour qu'il soit bien immobile. Survivre aurait été un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on a eu l'autre. Il n'est pas assez fini. La partie n'est pas jouable pour lui. J'aimerais pas être à sa place. Ça, ça ne sert à rien parce que j'ai pas le temps de régène. Mais je dirais qu'il va falloir se prémunir contre le Z. Je vais partir là-dessus parce que je voudrais le Zonia pour contrer le Z. Sachant que le Zonia va me faire un petit peu d'AP qui va toujours marcher sur ma puits de bain. Ils sont tous très low, faut qu'on se méfie parce que là il y a quand même moyen parce que un Twitch bien placé sous ulti arrive à nettoyer tout le monde. S'il a fait le runan, il a fait le runan. Bien deviné, à content. Ouais, le ringard était pas fou chez eux. Alors que franchement, il aurait pu contrebalancer la partie. J'hésite parce que ces trois-là m'ont bien plu. Mais Malphite, c'est normal. C'est Xerath aussi. On va dire bravo à l'Ekarim. L'Ekarim était bien. Un bon Ekarim, ça va d'abord. Et sans surprise, normalement. Ouais, je devrais être pas mal. Eh ben, on commence avec 100% de partie où on a deviné qui allait gagner. Incroyable. On
continue sur la lancée, on change d'icône d'invocateur, parce que c'est important dans la vie de changer d'icône d'invocateur. Et ben, hop, 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 pas de repos. Donne-moi Brand, pitié, pitié, donne-moi Brand. Bon. Ou Anivia. Anivia, je peux faire quelque chose. Vas-y, je m'utilise très mal. C'est déjà bien. On est déjà plus à l'aise. On va rester sur Anivia préhistorique. Alors, c'est con qu'il ne veuille pas me filer Brand. Alors, Anivia, on est en Aerie. Ruban de mana, transcendance, brûlure. Et on va partir en précision, coup de grâce. Précision, coup de grâce. Ouais, celui-là. Je m'en fous de récupérer mon ulti plus souvent. L'ulti d'Anivia, c'est pas comme si elle l'avait tout le temps. Que dit l'histoire? Allez, envoyez les drafts adverses. Timo, Cartus, Kennen, Brom, Soraka. Ils ont Brom qui est pas le plus dangereux des tanks. On a Warwick qui est bien joué, peut être très sympa. Ils ont l'ulti de Kennen qui est assez violent. Cartus en finisher, ça peut être affreux, mais on a quand même Brand. Train d'amer, ça peut être assez violent. Ah, c'est pas évident, dis donc. D'habitude, je tombe sur des match-up, je devine plus facilement. Je dirais qu'on va perdre. Je dirais qu'on va perdre parce qu'ils ont l'ulti de Kennen. Et que s'ils jouent autour de l'ulti de Kennen, on ne peut rien faire. Allez, je pense qu'on perd. À cause de l'ulti de Kennen et de l'ulti de Cartus qui va, comme d'habitude, coller des 800 points de dégâts en fin de partie à tout le monde sur la map. Et que du coup, ça, tout ça nous oblige, quand vous regardez la team en face, à partir un peu RM, si on veut pas crever à coup sûr. Et voilà. Et pas plus. Alors évidemment l'arme de la déesse, parce que il va falloir qu'on assure un sacré paquet de sortilèges lancés, de quoi régénérer un petit peu la vie des fois qu'on se retrouve tout seul sous tour. Des bottes, une potion. Brand hyper agressif. Ça va, il a l'air d'être bien joué son brand. Allez, le premier contact était assez violent. Je reviens pas d'avoir autant de points de vie après un premier contact pareil, dis donc. Ou alors ils ont mal visé, ou alors c'est pas moi qui visais. Le Brand devrait faire gaffe quand même. Il est tellement pas à l'abri. Le Cartus spam pas son pistolet, du coup. On peut quand même trouver des axes de déplacement.
Allez, Jackie, on t'abate. On va prendre une potion pour être sûr d'être full vie le plus longtemps possible. Et parce que moins on est blessé, moins on est ciblé. On monte bien évidemment le E pour pouvoir infliquer des infliqués. Pour pouvoir infliquer des dégâts maximum. Ah, je voulais prendre. Je voulais éviter aux brandes de se retrouver. Et je vais pas claquer la clairvoyance parce que mes amis ont encore beaucoup de mana. Je vais juste essayer d'être un petit peu plus économe. Et maintenant, on va pouvoir faire des trucs rigolos, si on meurt pas. Parce qu'on peut aussi mourir. Ah, il nous a attendu. Il est gentil, ce Brand. J'avais pas vu qu'il essayait de prendre... En fait, j'ai le son du jeu super bas, et du coup, j'ai pas entendu son son. C'est le problème d'Anivia, c'est que en Aram faut retourner à la base, donc faut mourir, et Anivia avec son putain d'œuf, pas évident de la péter. Normalement, quand vous passez en forme d'œuf, les gens se jettent sur vous. On va les taper la tour, hein, si vous mettez autant de temps. On va aller prendre ça directement, l'écho est encore suffisamment en bon état. De toute manière, au niveau des push, on n'est pas dégueu. Allez, tu rentres chez toi. Ah, j'ai la clairvoyance, je pourrais la claquer pour moi, mais je suis un peu à rebours de mes amis en fait. On n'utilise pas notre mana de la même façon. Je vais la claquer maintenant à côté de l'écho. Un petit coup dans la tour histoire d'avancer un petit peu le travail.
vas-y, Bran, prends. Mais il faut que je crève. 3000 gold, 3500 gold. Mais c'est dur d'accepter de crever en Aram quand tout se passe plutôt bien. Bon, ça va, on a niqué le canal. On a nickel Kennen avec le mur, c'est plutôt bien fait. J'irai pas jusqu'à dire que c'était prévu, mon but c'était juste de les séparer avant pas qu'ils nous poursuivent. Mais ça a eu un effet assez sympa. On supprime les sbires aussi vite que possible. Pas qu'ils puissent approcher de la tour. On garde depuis le buisson. On remet de la mana. Clairvoyance est vraiment trop pété comme sort d'invocateur. Faut se méfier. J'ai été touché. Hop, c'est bon, vous aurez un peu de nul. Hop, ah, flûte, elle m'a touché. Place, alors. J'ai mon œuf, hein. Techniquement, je pourrais même essayer de bait quelque chose avec l'œuf, mais c'est super faillible. Surtout aussi près de l'œuf. Œuf. Bah écoute, il aura servi à ça. C'est con qu'il rentre pas à la mana. Pas de dégâts à l'auto-attaque, hein. Ça se leurrait. Hein. L'avantage, c'est que le cartus est pas très bien non plus au niveau mana. Il faut vraiment que je meure à un moment. Quand même. Bon, on a 6000 gold à dépenser juste. L'air de rien. On a 6000 gold, 10000 gold à dépenser. Je pense qu'il faut pas se poser trop de questions. Il faut partir
sur du sûr, de l'efficace. Si on a réussi à arriver jusque-là sans crever, c'est qu'a priori, la team le fait. C'est con parce que je pensais sincèrement qu'on allait perdre avec une ulti de Kennen. On n'oublie pas de mettre l'objet activable sur la touche 2. J'ai fait tous les dégâts que j'ai pu. J'aurais peut-être dû cibler Soraka plutôt que lui. C'est vrai que j'ai un peu trop tendance à cibler ce qui est devant ma gueule. Et il reste encore une tour et ils arrivent à nous attirer sous leur tour. Putain, il survit lui. Oh, il survit, l'enculé. Il n'a pas été assez bolzibrande sur ce coup-là, c'est dommage. Je vais vendre cette pierre pour être sûr de pouvoir acheter le Rabadon et sortir du spawn aussi vite que possible. Faut surtout pas qu'on perde notre avance sur les tours. Tant pis pour l'échange de gold. Je sais bien que la vente c'est jamais rentable, mais on est un peu pressé par le temps dans ce fond. On a le mur au maximum. Ça veut dire qu'on peut avoir un sacré contrôle sur la partie. Ah, je l'ai mis trop tôt. Je l'ai mis trop tôt. Je pense que j'ai mis trop tôt. Je ne l'avais pas. Ça, il m'a bloqué le chemin. Non, j'avais plus de rien. J'avais plus de rien du tout. Est-ce qu'on peut partir là-dessus? On pourrait être très rentable sur le bronze. Avec les tours, à ce niveau-là, elles ne servent plus à rien. À ce niveau-là, elles sont juste décoratives. Quand même les mecs, vous allez arriver à vous faire Timo. Et non. Ah non, non, le mec, il a réussi à faire tout le tour. Bon. On va rien dire. Si, on va quand même dire que le Warwick, il est pas en forme. Et pourtant j'avais putainement réussi à le coincer.
Puis le mec, il arrive à faire le tour de la map sans souci. Et il s'en sort. Bon, il a 4 mecs à sa poursuite, mais il s'en sort. C'est sympa, les mecs qui s'en sortent. Et qui font un doublé. Je déteste les mecs qui s'en sortent et qui font un doublé. Et techniquement, il faudrait que je prenne de la RM. Si j'arrive à survivre après cet item, on partira un petit peu RM parce que il y a quand même que ça qui nous tombe sur la gueule. Et je suis manifestement pas assez intelligent pour faire de la RM en avance. Non, c'est pas vrai. Bah écoute, c'est tellement pas vrai que... Tant pis, je peux pas. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Voilà mon gars. Je t'ai poursuivi. Ouais, bah ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu fais pas beaucoup de dégâts, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais si peu de dégâts? Allez, en route vers la défense du tour de l'île du Nexus, pardon. Echo meurt pas. Pitié, Echo ne meurt pas. Combien il fait de dégâts? Combien il fait de dégâts, Mario? Tralala, il fait rien. Il fait rien de rien. Je crois qu'il a pas remarqué qu'il a pas de sustain, en fait. Donc ses points de vie ne font que descendre. Ce qui est un peu problématique. Bon. Eh ben, au moins, j'ai raison. Voilà, on a perdu. On a perdu. À un moment, j'ai bien cru que c'était bon pour nous, mais non. En fait, non, ce n'est pas bon pour nous. .901 points de dégâts.
au moins on l'a bloqué là. C'était pas le but, mais ça l'a empêché d'aller sur Brand peut-être. Et mais c'est pas perdu, mais c'est pas gagné. Clairement. C'est tendu. C'est tendu. On va dire que le seul souci, c'est qu'on n'a plus d'inhib. Et moi aussi, je vais prendre la potion pour emmerder Timmy. Ulti de Kennen qui n'a rien à faire à parcourir au milieu des gens. Je l'ai pas vu du tout. C'est un peu longué, j'aurais pu être vachement plus précis, mais bon, de toute façon, toute l'équipe arrivait derrière, hein, on pouvait rien faire de plus. Quand bien même j'aurais eu un petit peu plus tôt, ça aurait été pour me faire maraver par les trois clowns. Prédiction 100%, bon début. Là, au moins, ça me rend heureux de faire des défaites. Donc, train d'amère, t'as été à chier. J'ai pas halluciné, honnêtement. Warwick, je sais pas. Non, franchement, on va dire Brand, parce que j'aime bien Brand. J'ai pas non plus vu des ultis de Brand qui cassaient des bouches. Mais bon. Apparemment, ils ont dû s'insulter, mais je sais pas trop. C'est Karthus qui a été le plus violent. Il a fait combien de... Qu'est-ce qu'ils ont... Timo est un gros connard, c'est ça l'idée? Ouais. Eh ben écoute, on va mettre ça. Voilà. Ça peut toujours lui servir de leçon. 7, 9, 5, 10... Ouais, non, le Karthus a bien fait son petit délire. Dernière partie, pour cette première fois, vais-je faire un 100%? Qu'est-ce que le jeu nous propose? Eh bien, une EMF, ah, répétitif quand même. Une EMF, mais... Ah, on propose un aimer. Bah oui, allez. Alors honnêtement, c'est pour vous, hein. Parce que changer une MF contre Everdinger en Arams, voilà, je préfère MF. Emer, lui, on prend présence d'esprit pour réduire le cooldown de l'ulti à chaque fois qu'on fait une assist. On est toujours sur tout ça, ouais, on est toujours sur tout ça. Ça a sauvegardé. Ouais, ça se vient. Ça n'a pas fait de bruit. Kled. C'est bien sa tank si c'est bien joué. Il y a du vrai Arras en early avec Jace. Il y a... Merde, je sais plus son nom. Pourquoi ton nom? Il n'y a pas d'infobulle. Non, je vais me faire foutre. Rumble, voilà. Rumble, ouais, c'est résistant. C'est pas dégueu comme compo, hein. Si en face on a une compo équilibrée, ça peut être sympa. Si en face on a une compo complètement déséquilibrée, c'est free win ou free lose. Et en face on me dit Singed, Ezreal, Warwick, Nidalee, Illaoi. Illaoi est un souci en Aram. Nidalee est un souci en Aram. Surtout en early, parce qu'elle balance ses lances qui te mettent quasiment mi-vie, qui sont à 4 km. Techniquement, ils ont deux trucs tanky, nous aussi. Ils ont un AD, on a un AD. Ils ont Singed et... Ils ont Singed, il y a moi, en gros.
Ouais, et Nidalee, Jace. Les deux qui lancent de loin. C'est assez even. Je dirais que si tout le monde joue bien... Si tout le monde joue bien... Allez, je dirais que c'est eux qui gagnent. Je dirais que c'est eux qui gagnent sur le contrôle. Sur le contrôle, parce que Warwick peut fuir tout le monde. Avec Illaoi qui a son ulti de fou, ça va pas être évident. Il va pas falloir se retrouver pris dans la mêlée. Et nous, on n'est pas les rois du CC. Comparé à eux. On n'a pas été assez rapide pour s'engouffrer dans les buissons, du coup on sait pas trop. Ben voilà, on sait mieux. Ah, faut que j'évite ça, moi. Enculé, j'ai pas réussi à l'éviter. J'essaie de garder ma deuxième potion. J'ai complètement chié ma salle de roquette. Je l'ai fait dans la précipitation, elle est passée complètement dans le décor. Illaoi n'emmène pas large. Non, j'ai pas eu de Ezreal. D'ordinaire, je mets les tours au niveau du heal, sauf que là, j'ai pas le temps. De toute manière, ils ont une capacité à défoncer mes tours assez évidente avec les lances de Nidalee. Putain, il m'a eu. Il m'a eu la crevure. Ben, y a rien touché, ben, y'a comprends pas, ça n'a touché personne. C'est censé tuer, faire mal. Toi, tu t'en vas. Les points de vie sont plutôt bien remontés sans que je nique ma potion, ce qui est pas dégueu. Ah, un ult. Bon. Non mais ouais, ok, on prend. On va essayer de faire une prise de tour à 3 minutes 30, ce qui est vraiment pas dégueu. Ah, j'ai connu bien pire. T'arrêtes pas, toi. Il joue pas bien, le Warwick. En fait, je pense que c'est pour ça que je vais rater mon dernier pari. Ça serait marrant qu'il fasse un double retour. Je l'ai eu quand même, et je vous emmerde. Ouais, je sais, c'est pas très pro, mais je suis content. Je suis content. Oui, on part sur les coups de Luden, parce qu'il me faut de la CDR, et il va falloir que je speed, parce que je pense même que je vais partir sur les bottes de célérité pour faire face au Singed, parce qu'il veut un peu mon cul.
Et mon cul est une partie de mon anatomie à laquelle je tiens beaucoup. On va enlever... Oh, je suis venu me jeter dedans. Tiens, toi tu prends ça dans les dents. Moi, vu mes points de vie, je suis pas trop acte héroïque. Donc, une de mes sources de dégâts étant de devoir poser une tour par terre. On va mettre toi là. On a moyen de faire quelques dégâts. Il va rester bien. Je mise un peu tôt. Je sais que j'ai gâché mon ulti, j'ai paniqué, je l'ai mise. Je pensais qu'il y aurait plus de gens. Il y avait pas assez de personnes au final. J'essaie de garder mes tours pour pouvoir taper encore plus fort sur cette tour là. Il doit pas être content, je pense. On va prendre le truc qui assomme parce que j'ai l'impression que c'est le seul contrôle qu'on ait. J'ai le temps de mettre une petite tourelle avant de mourir, il n'y aura pas plus. Alors oui, il me faut du speed. Oui, il me faut du speed. Il faut que mes tours ralentissent. Et que comme ça que je vais pouvoir profiter de mon speed pour me barrer quand ces gros balours là ils chargent avec leur vitesse de malade. On est censé perdre là, hein, normalement. Enfin, revirement de situation, hein, ça existe en Aram aussi, ça existe même surtout en Aram d'ailleurs. Mais on est censé perdre. Et on va gagner, je pense, du coup, parce que le Warwick joue pas bien. Mais non, il faut pas tanker mon ult. C'est compliqué de suivre de tanker mon ult. Voyez-vous. C'est déconseillé en fait. Volontairement rester qui s'arrête et qui me tape dessus. On avait fait assez de boulot.
vous savez à peu près que ça se terminerait comme ça, même si moi j'y passais. J'avais en plus de quoi acheter mon Rayleigh. Tout cela était calculé. Allez, vas-y, voilà. Ok. Pas de soucis. Maintenant, par contre, c'est embêtant que Singed fasse le ménage. Faut taper de la tour. MF, tape de la tour. On va rester immobile de 3 secondes. Non ! J'avais pas vu ! Ah ! C'est interdit, ça ! Ah, les bâtards ! Les bâtards ! Faut que je survive. Faut que je survive. Bon, on est en mode occupé. Ouais, Morello, faut qu'ils arrêtent de se régénérer comme des malades. Faut casser cette régène. J'ai l'impression de voir, vous savez, les vieux films, les vieux cartoons où les mecs se poursuivent et après ça change de sens, un autre qui poursuit. Je te poursuis, voilà, j'ai moins de points de vie, tu me poursuis, t'as moins de points de vie, je te poursuis. Hop là. On a oublié de mute all. Faut toujours mute all en début de partie. Je regrette à chaque fois que je ne l'ai pas fait. Toi, ça va être compliqué de ne pas mourir avec un multi de haze. J'aurais perdu sur ce dernier truc, apparemment. On est passé. On est passé. Bon, bah, écoutez, on en est à 66% pour l'instant. Au bout de 3 parties. Bon, on verra bien la prochaine fois. Ciao les cadavres.